époque-là. Pero solo hablaba discretamente de Marx a sus alumnos en esa época. Car il respectait à sa façon l'institution et pensait que Marx n'était pas le meilleur passeport pour le concours difficile de l'agrégation. Porque respetaba mucho todo lo institucional y pensaba que Marx no era la mejor carta a jugar en el caso del concurso de agregación de la docencia superior universitaria. On ne sait pas ce que Jacques Derrida, à cette époque, vers 22-23 ans, avait lu de Karl Marx. No sabemos qué había leído Derrida en esa época, 22-23 años tenía. Je parierais que c'était assez peu. Creo que me animo a decir que es bastante poco. Et politiquement, s'il était déjà très affirmé dans ses engagements à gauche, ici, politiquement, il ya estaba bien affirmé en su compromiso con la izquierda. Il formait avec ses amis Pierre Bourdieu et Lucien Bianco, con sus amigos Pierre Bourdieu y Lucien Bianco, un groupe de gauche révolutionnaire résolument non stalinien. Formaba un grupo de izquierda revolucionaria que era decididamente no stalinista. La lecture de Marx à l'époque était une lecture dogmatique, figée, celle qu'Althusser, quelques années plus tard, allait tenter de réveiller. En esa época, la lectura de Marx era algo dogmático, determinado, una lectura que Althusser iba a querer implantar algunos años más tarde.